Doucement, respire. Je suis désolé, monsieur Georges. J'y arrive pas. Je t'avais prévenu que ce serait dur, hein. Pour être acteur de complément, Monte Cristo, c'est la base. Moi, je le fais tous les matins, ça. Je gobe un œuf cru comme rôti, puis je me fous dans mon sac. Allez. Bon, écoute, t'as une bonne bouille, hein, et t'es plutôt sympathique, mais je suis pas sûr que tu sois capable. Allez, tu passes à tout ce qu'on s'est dit, tu déroules. Allez, chiale un bon coup, on s'en fout. Allez, vide toi. Vide ton sac, petit bonhomme. C'est pas parce que tu pleures que t'es pas un garçon. Ma mère m'a appelé Sandrine jusqu'à l'âge de 8 ans. Ah bon? Bon, écoute, si ça peut te réconforter. Tom Cruise, entretien avec un vampire. 6 mois dans sa villa de Malibu, elle dormait dans un cercueil. Bon, bah, je suis pas sûr qu'il y ait pas des moments où elle en a pas eu gros sur la patate, hein. À 10 ans, mon oncle Norbert m'a uriné dessus sans faire exprès. T'as une sacrée famille, toi, hein. Ma mère a raison, c'est à moi. Non, ta mère a pas raison. Et t'as bien fait de te casser quand t'avais 17 ans, quand t'es allé que t'étais le fils d'un gitan. Mais j'habite encore chez ma mère. C'est pas la question. Allez, carpe diem, Robin Williams. Hakuna Matata maintenant, hein. Écoute-moi. Je vais faire de toi le deuxième meilleur acteur de complément de tous les temps. C'est qui le premier ? Bon allez, retourne dans ton sac, Sandrine. Mm.